Et bonjour tout le monde, c'est Gwendal. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo réponse au concours que j'ai lancé il y a de là 2 semaines sur ma chaîne YouTube. Vidéo où vous devez trouver d'où vient cette image. Cette image que j'ai prise dans un jeu vidéo. Bon, ça c'est pas une grosse grosse nouveauté, mais bon, c'est bien de le préciser. Que j'ai pris sur un jeu vidéo. La jeu vidéo. Le jeu vidéo en question. C'est Farming Simulator. Voilà. Mais où? Parce que Farming Simulator, c'est vaste, hein, c'est très très vaste. Allant du 2011 au 2000, allant du 2008, si on veut vraiment faire dire les choses bien, jusqu'au 2015, jusqu'au 2016 maintenant. Une palanquée de maps. Mais ça vient d'où? Voilà. Donc, sur mon. En commentaire, j'ai eu. De Belgique profonde que t'as, ou de la haie des Newtons que t'as reconverti pour FS15, The Alp sur FS13, Bêtement la forêt, Farming Simulator, Belgique profonde V1, Belgique profonde, The Alp, y a quoi d'autre? La map hongroise aussi, j'ai eu ça. La map que t'es en train de créer. Voilà, j'en ai vraiment eu plein, j'ai eu du je sais pas, bon, j'en ai eu plein. Au final, je pense que vous avez à peu près trouvé, tous, enfin tous ou pas d'ailleurs, ça vient. Et là, si je mets le PDA, si j'appuie sur la touche échappe, donc vous vous dites, attends, si j'appuie sur la touche échappe, c'est que ça vient de FS13, pour commencer. Puisque sur FS15, on ne peut pas avoir le PDA en appuyant sur échappe. Donc, si j'appuie sur échappe, donc là tous les gens qui ont dit FS13 ils sont contents, hein. Mais si j'appuie sur échappe, là vous allez voir, et vous êtes prêts, ça vient de FS13 Belgique profonde V1. Voilà. Donc, il y a très peu de gens qui ont répondu non, FS13 Belgique profonde V1. Quoique la Belgique profonde V1 a été faite exclusivement sur FS13 et non sur FS15. Donc, il y a un gagnant. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui a dit exclusivement Belgique profonde V1. Il y a aussi. Donc, cette personne s'appelle la chaîne Simulation FR. Il y a aussi une autre personne qui l'a dit c'est Belgique profonde V1, c'est Agricole Passion. Chasse agricole, une passion. Qui a dit Belgique profonde V1, mais il me semble qu'après il a redit autre chose. Voilà, vous êtes plusieurs dans ce cas-là. J'ai eu du Belgique profonde, mais c'est pas clair parce que des Belgiques profondes, il y a 3, 1, 2, 3, 4, 5 que versions, un truc comme ça, hein, qui sont sorties. Si je compte sur FS13, la Belgique profonde V1, l'eau version, si je la compte. Voilà, donc tout simplement, on est tout simplement, si, pour vous dire, derrière le biogaz qui a relativement changé. Attends, pas la tête. Donc derrière le biogaz qui a relativement changé, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc je sais pas si vous vous rappelez un peu de FS. Oula, alors que j'ai des gros coups de lag. Je sais pas du tout pourquoi d'ailleurs. Bon, peut-être pas continuer étant donné que j'ai des énormes coups de lag. Je sais pas du tout d'où ça vient. Peut-être que le PC est pas chaud. Bon, peu importe. En tout cas, pour les gens qui avaient dit FS13 Belgique profonde V1 ou Belgique profonde V1 tout court, ils ont raison. Donc, vous êtes très peu dans ce cas-là, mais je tenais à vous remercier. Il y a notamment la chaîne Simulation FR. Donc allez voir sa chaîne YouTube. Allez vous abonner. Puisque j'ai dit que je faisais de la pub pour ceux qui trouvaient. Il y a aussi Agricole Passion, Chasse Agricole, une passion. Donc qui a trouvé aussi. Plus ou moins. J'ai eu pas mal de Belgique profonde. Donc à tous. La Belgique profonde était une bonne réponse. Et la Belgique profonde V1 était encore une meilleure réponse que ça. Voilà. Parce qu'il faut être un petit peu clair. Et rappelez-vous, sur FS13, il y avait les fameux
Fer à cheval, voilà. Je voulais dire un truc. Parce que voilà. Pour tout vous dire pourquoi j'ai choisi cette map là. Bah, parce qu'en fait, tout simplement. Il fut un temps avec le simulateur Auvergnat. On a voulu faire. La convertir en fait pour FS15. Le problème, c'est qu'entre-temps, ils ont protégé la map. Ils ont mis un mot de passe dessus. Ce qu'on ne peut plus faire avec FS15. Mais eux l'avaient fait sur cette map là. Donc, ce qui fait qu'en fait, on ne peut pas récupérer la map. On ne peut pas récupérer la map. On ne peut pas récupérer l'i3D de la map. Donc, du coup, bah, on est dans le merdier, si je puis dire. Donc, bah, du coup, on ne peut pas la convertir. Si quelqu'un. Là, alors si quelqu'un, je vais faire un appel. Si quelqu'un là, sans le mot de passe, donc pour savoir si elle a le mot de passe ou pas, vous cliquez sur la map, donc Belgique Profonde V1, vous cliquez dessus, vous allez dans le dossier map, et si vous avez un dossier zip dans le dossier map, c'est mort. Voilà, c'est mort tout simplement. C'est que la map a été protégée. Et si vous n'en avez pas, c'est que la map n'a pas été protégée. Mais je pense que elle a été protégée dès le départ. Je sais pas trop, j'ai jamais trop regardé en fait. Mais vous cliquez sur la map, vous cliquez dans le dossier map. Refusez. Vous cliquez dans le dossier map et vous allez voir si elle a été protégée ou pas. Voilà. Donc en attendant, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Et je referai sans doute un autre concours dans les jours qui viennent. Allez, à plus tout le monde!